Testing, testing. Okay. We're joined here by Olympic Lyonnais head coach Sonia Bonpastor. Thanks for joining us. Just to start us off first, just your opening thoughts on today's game. Un match, comme on l'avait prévu, de très haut niveau face à une très belle équipe de Chelsea. On a eu quelques difficultés en première mi-temps, donc c'était un match qui va nous permettre de travailler. On va le revoir à la vidéo et travailler sur les points qu'on doit réguler. Mieux, en tout cas mentalement, j'ai bien aimé la réaction de mon équipe. Et à la fin du match, je leur ai dit que c'était bien sur l'aspect mental d'avoir cru, même mené 2-0, qu'on pouvait aller chercher cette victoire, en tout cas revenir au score et gagner au pénalty. C'était mieux pour nous aussi en deuxième mi-temps. On a affiché en tout cas des principes de jeu qui correspondent un petit peu plus à notre standing. Donc voilà, une belle réaction. Et c'est un match où on a du travail, mais aussi mentalement un aspect positif. Okay, merci. Just a reminder, we'll send an official transcript after. Sorry. Hello, welcome to the USA. Thank you. Congratulations on the win. Your thoughts on Lindsay Horan and coming back to Portland and that awesome free kick that she scored. Oui, Lindsay, c'est une joueuse très importante de notre effectif et de notre équipe titulaire. Pour moi, je pense qu'elle fait partie aujourd'hui des meilleures joueuses du monde, à la fois sur le terrain par rapport à la qualité de son football, mais aussi en dehors. C'est un vrai leader. Elle apporte beaucoup de choses positives à notre équipe. Joueuse très intelligente et c'est un leader, comme je le disais, comme on a pu le voir sur la deuxième mi-temps, c'est elle qui a impulsé cette dynamique positive pour qu'on puisse revenir au score. Donc c'est bien, je suis ravie en tant qu'entraîneur d'avoir une joueuse de cette qualité-là dans mon équipe. Thank you. One more question. Your thoughts on Chelsea, and do you think we may see a rematch, this rematch, maybe in the Champions League final? Oui, en tout cas, je l'espère. Chelsea est une très, très belle équipe. J'ai vu Kadesha Buchanan à la fin du match et je lui ai souhaité une très belle saison. Je connais aussi bien Emma Hayes, la coach de Chelsea. Voilà, je leur souhaite en tout cas beaucoup de bonnes choses et j'ai dit à Kadesha que j'espérais qu'on puisse se retrouver les deux clubs en finale de la Ligue des Champions. Ce sera une bonne chose à la fois pour nous, mais aussi pour Chelsea. Mais bien évidemment, Chelsea, c'est une équipe qui a individuellement des joueuses de talent et de très haut niveau et collectivement aussi. Et elles l'ont montré sur la première mi-temps qu'elles ont fait ce soir. In terms of preparation for the upcoming season, you go down early in this match, are able to work your way back at the very end of it, win on PKs. How does that carry forward to the preparations for this season, just in terms of building momentum for you? Oui, vous avez raison, c'est important. À la fin du match, comme je le disais, j'ai dit à mon équipe que forcément j'étais contente sur l'aspect mental parce qu'on a cru qu'on pouvait vraiment revenir dans ce match, même mener 2-0 après une première mi-temps un peu plus compliquée. Donc ça fait partie de notre ADN dans les valeurs de ne jamais rien lâcher, d'avoir cette conviction qu'on peut revenir dans le match et de croire qu'on va gagner. Donc ça, c'est bien. Il faut qu'on construise là-dessus. C'est sur le plan mental une très bonne base. Et ce soir aussi, on a pu voir la victoire de tout un groupe, d'un collectif, avec des joueuses qui sont rentrées en deuxième mi-temps et qui ont beaucoup apporté à l'équipe. Donc ces deux éléments-là doivent nous permettre de construire pour l'ensemble de la saison. OK, we'll wrap it there. Merci beaucoup, Sonia. Merci. And bon sorry, soir. I answered in French, but I feel more comfortable. 100%, it's okay. Thank you so much. Thank you. Thank you.